On m'a dit que vous vouliez prendre de la masse. J'ai décidé de vous filmer tous mes repas et entraînements sur la semaine pour vous montrer un petit peu ce que j'ai suivi pour une prise de masse sèche. On est lundi, il est 8h. On va aller se faire un petit déjeuner de guerrier avant de s'exposer les pecs à la salle. A tout de suite. Pour le premier repas de la journée, 4 œufs, dont 4 blancs et 2 jaunes. On va rajouter 30 à 40 grammes de flocons d'avoine à l'intérieur. Donc voilà, on s'est fait cuire l'omelette avec nos 30 grammes de flocons d'avoine mélangés à l'omelette. Moi, ce que je vous conseille en petit déjeuner, c'est une omelette de 4 œufs, donc 4 blancs, 2 jaunes. Deux tranches de pain complet avec de la pâte à tartiner, ou ce que vous voulez, mais bon, pas du Nutella quoi. Deux kiwis. Un thé vert. Et ça sera déjà pas mal. Pour commencer, ça sera déjà pas mal. Déjà manger ça et vous serez déjà bien, bien blindé, je pense. Bon les gars, on a bien mangé, on est bien blindé, le sac de sport est fait. Maintenant, on va aller se démonter les pecs à la salle, je vous dis à tout de suite. Sur du gras, tu fais des pompes, des tractions. Pas l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le cas, un peu dans le cas. Ouais, je répète, c'est un peu dans le cas, un peu dans le cas. Le petit gratis a changé, devenu mauvais garçon. Mauvais garçon. Sur du gras, tu fais des pompes, des tractions. Le petit gars, j'avais mon bloc et du shit dans le cas. Ouais, je répète, du shit dans le cas. Mais c'est gay, trop du mal. Revolutionary, frontline standing, solitary, mind state, kinda scary. Take a deep breath, take a deep breath, and put me on the front line. 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 Collation de 10h, un shaker de whey avec une petite pomme et 30 grammes d'amande. Ça rigole plus, c'est le dernier pas de la journée. On se motive, on pose le cerveau. Donc, avant d'aller se coucher vers 22-23 heures, un gros bol de fromage blanc 0%, deux petites barres de céréales au parfum que vous voulez. Et moi, je conseille une banane. Donc, voilà, dernière collation de la journée. Et avec ça, vous serez bien blindé pour la nuit.